Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment faire pour dessiner un tableau sur l'interface qui est là, l'interface du terminal. Voilà, c'est possible de le faire. Bon, il faut juste installer PrettyTables. Voilà, c'est un plugin que vous pouvez installer vite fait. Et maintenant là, je vais l'appeler table. Par exemple, table. Je vais l'appeler table. Table.py. Voilà, maintenant je vais l'importer. Import from, par exemple, je vais from PrettyTables. On va importer PrettyTables. Voilà, le deuxième c'est en majuscule. Maintenant, mon table, ma table est égale à PrettyTables. Maintenant, par exemple, on va donner notre tableau. L'entête de notre tableau, on va dire peut-être il sera composé de notre nom, n'est-ce pas? Nom, prénom, voilà, et dernier lieu, on peut dire nom, prénom, âge, par exemple, âge, pour varier un peu. Voilà, maintenant on est tranquille. Là, on va dire ma table. Adro, voilà. Maintenant, comme toujours, je vais faire entre code le nom. Je vais dire nom, nom. Voilà. Maintenant, le prénom, je vais dire Putman. Et âge, je vais dire par exemple 15 ans. 15. Voilà. Maintenant, je vais copier ça pour créer d'autres. Maintenant, je vais faire. Voilà, c'est à vous de voir le nombre que vous voulez créer. K, ba, ba, là c'est K avec K majuscule, sen, so. Voilà, là ce sera Maimouna. La Adama, la Fallou et la Baba. Voilà, maintenant, une fois ceci fait, on peut juste afficher notre table. On va faire print table, print ma table. Voilà, on a notre table qui est là aussi bien présentée. Comme sur les bases de données lorsque vous aurez à utiliser le terminal avec Ubuntu. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.